Amis des métaphores, bonjour. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la métaphore de l'alambic. Alors nous verrons que c'est en quelque sorte la métaphore des métaphores puisqu'elle nous permettra d'illustrer ce que c'est que l'intelligence métaphorique, comment euh, fonctionne cette manière de regarder des phénomènes dans la nature, une source, des nuages, un bambou qui pousse, euh, et en extraire, en distiller un sens qu'on va pouvoir ensuite injectés dans d'autres phénomènes complètement différents pour les éclairer, pour y apporter une dimension qu'on ne soupçonnait pas avant. Alors, qu'est-ce qu'un alambic eh bien, un alambic, c'est un, un appareil utilisé depuis fort longtemps, ça remonte probablement à, à, à l'alchimie. Les alchimistes avaient en effet découvert ce, ce secret extraordinaire qui permet à partir de à partir de plantes aromatiques, d'en extraire euh, l'essence, la, la quintessence. Alors comment fonctionne un alambic Eh bien, euh, vous avez au départ une première cuve dans laquelle il y a euh, de l'eau. Cette eau est soumise à un feu qui la transforme en vapeur. Cette vapeur, en s'élevant, va passer à travers les plantes aromatiques qui se trouvent à l'intérieur, et la vapeur va... Subtiliser va permettre à l'essence contenue dans les tissus végétaux de s'évaporer. Elle va donc monter, s'évaporer, et puis euh, elle va ensuite redescendre dans une seconde cuve qui, elle, est remplie d'eau froide, et le tuyau va alors faire différentes spirales, on appelle ça un serpentin, qui va permettre à l'essence qui a été libérée de petit à petit refroidir et donc se liquéfier, retrouver une forme solide. Et finalement, à la sortie de cette seconde cuve, eh bien, on a ce qu'on appelle le vase florentin, on a un récipient dans lequel va apparaître un mélange à la fois d'eau et en surface, parce que la plupart du temps l'huile essentielle flotte, on va retrouver l'essence qui a été extraite des, des végétaux. Alors c'est vraiment quelque chose de, de, de tout à fait magique que, que de, de se pencher et de regarder vraiment euh, quel est le fonctionnement de, 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 de cet appareil qui, qui, qui permet littéralement d'extraire les quintessences de, 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 de végétaux et de leur donner une nouvelle forme. Une nouvelle forme pourquoi Parce que l'huile essentielle qu'on obtient à la sortie, euh, c'est vraiment la, la forme physique nouvelle sous laquelle se présente l'essence qui était à la fois... Dispersée dans, dans tous les végétaux au départ. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on faisait de cette huile essentielle Eh bien, on l'administrait à des patients, à des malades, chez qui elle allait déployer toutes ses vertus euh, et toutes ses propriétés thérapeutiques. Alors, on va voir qu'on peut retrouver ce, ce principe-là dans un, dans un tout autre domaine, c'est-à-dire la même idée de partir d'une matière, d'avoir un processus ascendant de dissolution, auquel les alchimistes donnaient le nom de « solvée »,« solvée »,« dissolution », et puis un processus descendant de recondensation, de refroidissement, de densification, auquel eux donnaient le nom de « coagula », cette idée de coagulation, donc quelque chose qui va redevenir dense, euh, concret, euh, solide. Alors, dans la façon de travailler avec les métaphores, que fait-on Eh bien, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on observe un phénomène naturel, comme je disais tout à l'heure, une source qui coule, euh, la formation des nuages dans, dans, dans le ciel, la croissance d'un végétal, la cristallisation d'un magma informe à partir de juste un infime fragment de cristal. Et à partir de cette matière brute, qui est comme le, les plantes qu'on met dans, 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 dans l'alambic, eh bien, on va essayer d'en extraire l'essence, c'est-à-dire la dynamique, le principe vivant, la, 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 la vie. Qu'est-ce qui se passe derrière simplement le phénomène qu'on voit Quels principes sont à l'œuvre quelles, quelles lois sont en train de se, se manifester là Et puis, une fois qu'on a extrait ce sens, le sens, l'essence, eh bien, on va pouvoir de nouveau euh, projeter ce sens dans des domaines complètement différents. On a vu avec la grenouille, on a vu avec le bambou, on a vu avec, avec différentes des métaphores que nous avons déjà apportées, comment une fois qu'on a extrait le principe, par exemple avec la grenouille, eh bien c'est le, le changement qui se fait tellement lentement qu'il passe inaperçu. Eh bien une fois qu'on a extrait ce, ce phénomène-là, ce principe, on se dit mais autour de moi, dans ma santé, dans ma vie, dans mon couple, dans la société, est-ce qu'il n'y a pas là aussi des, des, des changements qui passent inaperçus Si on projette cette idée-là dans cette situation-là, qu'est-ce que ça va nous amener à prendre conscience Et de se dire, ben oui, effectivement, tiens, là aussi, si on ne fait pas attention, des changements surviennent qui peuvent avoir des effets très préjudiciables si on n'y fait pas attention. Alors, dans l'alambic, on a vu, il y a du feu, il y a de l'eau, c'est ce qui donne la vapeur, c'est la vapeur qui permet d'extraire le, le principe subtil, la quintessence des végétaux aromatiques. En nous, c'est quoi le feu C'est quoi l'eau eh bien, ce sont ces deux, ces deux, facultés complémentaires que nous avons, qui sont la tête et le cœur, le principe d'amour, le principe de sagesse. Et il faut effectivement travailler avec les deux. C'est-à-dire que si euh, on s'intéresse aux choses d'une manière qui est purement intellectuelle, en mettant en œuvre sa réflexion, sa tête, mais, mais sans amour, sans respect pour l'objet étudié, eh bien, on va c'est comme un alambic qui brûlerait, si vous voulez, les, 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 les plantes au lieu de les distiller. Il manque l'eau. Il manque quelque chose d'enrobant, quelque chose qui va pénétrer les choses en douceur et en profondeur. Et puis, si on travaille qu'avec le cœur, mais qui manque la réflexion, qui manque la capacité d'analyser, de comprendre, eh bien, de nouveau, ça va être déséquilibré. On aura un principe, mais, mais pas l'autre. Et, et le, on n'arrivera pas à, à, à tirer, à soutirer euh, l'ensemble le, des principes, des lois, des découvertes qu'on peut faire à partir <coughs> d'un phénomène qu'on qu observe. Donc, on a vraiment en nous-mêmes, chacun d'entre nous possède un, un alambic en quelque sorte. Malheureusement, on ne nous apprend pas tellement à, à, à l'utiliser, à travailler de cette façon. Les cours que nous recevons à l'école ne nous enseignent pas ce, ce principe ascendant-descendant, cette, cette capacité à, à distiller, à extraire le sens subtil des choses et puis ensuite à lui redonner euh, sens d'une manière beaucoup plus, plus large et vaste. Mais rien ne nous empêche euh, petit à petit de dé découvrir et de développer cette intelligence euh, métaphorique. Avec ce résultat extraordinaire, c'est que dès lors, tout, tout nous parle, tout devient porteur de sens, tout est occasion à essayer de réfléchir, de comprendre ce qui se passe, distiller le moindre, le moindre phénomène observé, la moindre chose autour de nous et d'en tirer des leçons qui soient ensuite applicables à, à, à notre existence, à notre vie, à notre évolution, à la, à la réussite de, de notre vie de famille, de vie de couple, etc. Euh, je découvrais récemment euh, une nouvelle discipline qui s'appelle en anglais biomimicry, c'est-à-dire l'imitation de, de la vie, littéralement. Euh, qui a été lancé par une femme qui s'est rendue compte qu'en fait, euh, il existait dans la nature, sous une multitude de, de, de formes, des solutions à la plupart des problèmes, même très complexes, auxquels nous sommes confrontés, et donc qui a développé un institut, qui a développé toute une activité euh, autour de ce principe-là, c'est-à-dire observer ce qui se passe dans la nature pour y trouver des réponses aux problèmes auxquels est confrontée l'humanité. Eh bien, d'une certaine manière... Cette alchimie de l'esprit que, que, que nous permet de faire cette alambic intérieur où nous utilisons notre sagesse et notre amour, notre tête et notre cœur, elle relève du même principe, c'est-à-dire que nous allons également observer la nature et là nous allons en tirer des leçons de vie, des leçons qui soient utilisables au quotidien dans notre vie pour apporter plus de sens, pour nous mettre en phase aussi avec les principes organisateurs qui sont à l'œuvre partout autour de nous. Voilà, donc euh, l'alambic est vraiment euh, la métaphore des métaphores, c'est celle qui permet de comprendre de quelle manière euh, on peut extraire du sens des de phénomènes, comme j'ai plaisir à le faire pour vous dans le cadre de, de cette rubrique. Alors à la prochaine.